Ce qui m'a plu chez Claire, c'est sa douceur, sa gentillesse, même si elle est très maladroite, que j'ai appris à le découvrir après. Les tatouages, mannequins, j'aime bien, moi j'aime bien tout ça, même si c'est à la base c'est pas mon style, mais elle est très jolie comme fille. La base, moi je suis plus fille de l'Est, tout ça. Mais bon, ben, y avait pas. Donc du coup, c'est pas que j'ai pris ce qu'il y avait, hein, attention, ne te confondons pas. Mais voilà, c'est la fille qui m'a plus le plus. Alors oui, il y a des gens qui dans la télé qui se mettent en couple pour faire des buzz, tout ça. Ben moi, je me suis mis en couple tout simplement parce qu'elle me plaisait, voilà. Et ensuite de ça, même quand j'étais célibataire, après, ben, j'aurais pu me mettre en couple encore. Ben, je ne l'ai pas fait et j'aurais pu faire encore des histoires et des histoires. Ben, je me suis pas mis en couple parce que je ne suis pas venu là pour faire ça. Le buzz, moi, je le laisse aux autres, j'en ai rien à serrer. J'ai pas besoin de me mettre en couple pour exister. Voilà, j'ai ma propre personnalité. Et puis, je suis vraiment venu pour mon projet pro. Voilà. Y a une des petites Sarah qui traînait, donc voilà, mais moi, je voulais pas. Alors avec Claire. Alors, je résumais de notre petite relation avec Claire. Très volcanique. La relation avec Claire, très très volcanique. Des hauts, des bas, séparation, tout ça. Ce qu'on peut voir sur le réseau, certains trucs, c'était faux. Mais sinon, je ne regrette pas mon aventure avec elle et ma relation. Et aujourd'hui, ben, moi, je suis célibataire. Voilà, elle est célibataire. Chacun fait sa vie. Bah, c'est pas un secret, on le sait, elle est partie quoi. Donc oui, notre aventure elle s'est terminée dans l'émission. Mais elle s'est terminée bizarrement. Très bizarrement. Je me dis qu'il me reste encore du temps derrière. Elle rentre à Paris, elle fait sa vie. Moi je suis à Los Angeles, je fais ma vie. Donc après, je me suis dit peut-être qu'à la sortie je vais la revoir ou pas. Mais après, file des semaines. Au début, la première semaine, je pensais à elle, toi, les trois premiers jours. Mais après, voilà, quoi, j'oublie vite mon projet pro, Los Angeles, mon futur, voilà. Quoi. Je vais pas m'attarder sur les filles non plus. L'aventure s'est très bien passée. Je ne pensais pas qu'elle allait se passer aussi bien. Et je suis très content d'avoir fait les Anges 10. Bien sûr, j'appréhendais les Anges 10, je me suis dit qu'est-ce que ça va m'apporter. Est-ce que mon projet pro, ça va être aussi bien que je le pense, que j'ai demandé à voilà, personnel trainer, j'ai demandé à avoir des rendez-vous avec telle personne, tout ça. Est-ce qu'ils vont tenir leur parole ou est-ce que je vais arriver, je vais coacher deux moutons, deux chèvres. Voilà, quand je me suis dit peut-être que ça va pas être ça, peut-être que je vais pas m'entendre avec les candidats. Donc, j'appréhendais les Anges 10. Ben moi, les Anges 10, on m'avait déjà proposé de faire les Anges auparavant. J'avais toujours refusé, j'étais sur WNF sur les Marseillais avec qui j'ai passé de très bons moments et les Anges 10 je l'ai fait que pour mon projet pro, sinon j'aurais jamais fait les Anges et je serais resté chez les Marseillais. Ouais. Donc, je me disais que pour moi cette émission, ben, ça restait une émission de télé, tout ça. Je sais qu'il y avait un projet pro mais autour de moi, on me parlait beaucoup des Anges. On me disait, ouais, tu sais, les Anges, le projet pro, c'est tout bidon, c'est second plan. Les Anges, il y a beaucoup d'alcool, de drogue, de ci, de la mauvaise image, tout ça. Donc je me disais, ah bon, tout ça. Bon, après, les gens, ce qu'ils disent, moi, j'aime bien aller voir de moi-même. Et j'y suis allé, et je pouvais dire que pour moi, les Anges disent, c'est très sage. Ah, pour moi, ça a été une émission très sage. C'est-à-dire que, en 2 mois, on est sorti 4 fois en boîte, déjà. Tous les matins, il réveille à 8h30. Couché à 22h, les projets pro sans cesse, tout ça, des activités cool, pas d'alcool dans la maison, même quand on faisait des petites soirées à la villa, il n'y avait rien, il n'y avait pas cette histoire de drogue, tout ça, pas de drogue, tout ça, s'il y avait un truc, la prod, il venait et il nous tapait sur les doigts, et franchement, ça blaguait pas. Après, au niveau des histoires de cul, tout ça, d'amour, franchement, j'ai trouvé ça très clean, très respectueux. Il n'y a pas eu ces histoires de « il a fait cocu, il a pas fait cocu, il a fait dans la nuit, pas dans la nuit ». Il y a eu des histoires d'amour, c'est resté très respectueux. Il y a eu des hauts et des bas, c'est normal, ça fait partie des coupes. Hein. Mais je trouve que pour moi, les Anges 10 sont très clean.
Alors ça, c'est, on a souvent entendu comme quoi les gens disaient que c'est scénarisé. Ce n'est pas scénarisé. On n'a pas de texte. On fait ce qu'on veut. C'est juste que des fois, ben, pas on va nous mettre en situation, mais on va nous dire, voilà, est-ce qu'elle te plaît pas. Bon, ça serait bien, mais si tu veux, tu peux y aller. Voilà. Mais si on n'a pas envie de le faire, c'est des indices, voilà. Mais si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Hein. Attention, et c'est pas genre, tu le fais pas, tu dégages. Ça se passe pas comme ça, je vous rassure. Chacun est comme il est. Après, on fait de la télé, donc du coup, oui, on pousse un peu, on rigole un peu plus. C'est normal, ça fait partie de la télé, c'est de la télé. Mais bon, voilà, sinon... Donc je connais certains candidats, d'autres non, donc j'ai appris à les connaître et ça s'est super bien passé avec eux. J'ai découvert des personnes que je ne pensais pas avec qui j'allais me mettre très très bien, notamment avec Vincent, putain Vincent j'ai adoré, avec Raph, adoré, qu'est-ce qu'on a rigolé, on a fait les 400 coups, c'était n'importe quoi. Voilà, Steven, super gentil, Maddy, tout ça c'était la folie. Ouais, vraiment un coup de cœur amical pour Vincent et Raph. Ouais, vraiment, ces deux, franchement, je les adore et c'était super génial. J'ai pas forcément coaché de stars, mais j'ai bossé avec Sam Asghari. C'est le coach en vogue à Los Angeles, donc petit ami de Britney Spears et son coach. Voilà, très gentil garçon que je suis toujours en contact avec lui. J'ai travaillé avec le coach aussi de Jennifer Aniston. Je suis passé sur le plateau de Extra. Et la dernière surprise, c'est mon dernier rendez-vous pro, ça je le dirai pas, mais c'est énorme. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui ont entendu ou pas. C'est pas une rencontre, mais c'est un contrat. Moi. Voilà. Pour moi, la barrière de la langue, c'était un peu compliqué parce que voilà, déjà avec mon accent, suite à ça, je parle 2-3 mots, mais bon, j'ai beaucoup appris sur le chant, énormément appris. Donc aujourd'hui, je reviens avec plein de mots anglais, tout ça, ben, il fallait bien se débrouiller. Hein. Donc voilà, j'y suis allé, j'ai réussi. Même pour le plateau de Extra, j'avais la chocotte avant de rentrer. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Ben, au final, j'ai fait le show, ça s'est très bien passé. Voilà.